la presse et les médias qui font des passements pour venir dans la conférence de presse parce que nous-mêmes, au niveau collectif, avocat qui défend le monde cadeau avec le cabinet Advocatus, nous estimons que c'est opportun et important pour nous faire conférence de presse. Conférence de presse, on va parler de deux points. Premier point, c'est conditions de détention prisonniers en dans centre carcéral. Deuxième point, c'est dénoncer détention illégale et arbitraire de plusieurs personnes qui ont arrêté, qui t'a supposé paraître devant le juge depuis 10 juin à cause de bandits pour un tribunal là qui vient faire que il pas capable paraître devant le juge correctement. Nous avons une vidéo qui est virale sur les réseaux sociaux qui permet de constater ça même qu'on a dit. Et c'est un avocat qui décrit fidèlement la situation prisonnier. Je regarde un grand monde dans la vidéo, je contrôle Zokot qui est dans l'estomac de grand monde. Je regarde un citoyen qui n'a pas qu'à une école. Et je regarde un jeune homme, c'est deux personnes qui ont essayé pour tellement faible, peut-être qu'elles sont mortes. Ça veut dire qui ça? Sous l'ex-là au campé, ou qu'à contrôler les autres côtés, une situation de famine énorme en de prison. Situation va devenir plus grave parce que de l'eau bien c'est lié au bois. Toujours à petit ça. Donc souvenez-vous vont côté de l'eau bien c'est le bois. Elle dit qu'elle a un problème de santé. Ou qu'elle a toute vieille maladie en de prison. Et en Haïti, ils ont pas considéré prison comme un espace sanctionnateur. Non. Vous considérez prison comme un espace de rejeté. Vous pas besoin en la société de mettre là. Maintenant, faiblesse système vient faire que pour vous-même en prison, vous n'avez aucun espoir. Pour qui ça me dit pas aucun espoir? Regardez, vous prenez le tribunal là. Dossier disparaît. Dossier perdu. Dossier boulé. Maintenant, pas bon monde en prison là, qui a dit qu'il est là sorti. Parce que le système n'a pas numérisé. Système n'a pas digitalisé comme dirait le professeur Altema. Ça veut dire ça. Ça veut dire que les gens qui sont dans la pénitentiaire actuellement là, pour qu'on connaisse pour qui est ou là. Les gens qui sont dans la pénitentiaire actuellement là, pour qu'on connaisse qui est jugé. C'est ça qui inquiète comme avocat. Comme défenseur de la monde, je suis obligé de tirer la sonnette d'alarme pour me dire que si nous avons fait droit à la monde, nous n'avons pas qu'à là. En bas la ville, la quitte image sa yo à parler devant figure. Et ça qui plus fait mal, ou à garder des autorités qui considèrent comme normal le fait que le tribunal pas fonctionne. Le tribunal, c'est un pour l'hôpital. Il est supposé fonctionner en permanence. Et nous obligés de faire conférence de presse ça. C'est parce que nous annonçons une catastrophe. Qui catastrophe? Il y a des gens qui ont mouru en 20 ans de prison. Il y a des gens qui ont 5 ans de prison. Ils ont arrêté pour une infraction qui sont peine de 1 an. Maintenant, en 20 ans, pour le récit, la gueule est mourue. Ça grave. Et tout ça, c'est des choses qui supposent inquiéter nous, des faits qui supposent attirer l'attention parce que font l'ordre de justice. Actuellement, il n'y a pas un commissaire qui a pris un siège parce que bandit fait tout commissaire, fait tout juge voler gagé. De quelle justice parlons-nous? Et nous connaissons dans la société haïtienne, depuis par une justice qui faut, pas qu'un pays, pas qu'une société. Pas qu'un avocat, pas qu'une importance pour le travail encore parce que pas qu'un tribunal. Et c'est ça, Ariel Henry, ben nous comme cadeau. Et c'est ça, Binu, ben nous comme cadeau. Parce que Binu a un pouvoir pour l'accompagner à parler de justice haïtienne. Mais l'accompagnement, mais ça va nous comme cadeau. Justice inexistante, détention préventive prolongée, nous avons mouru, situation humanitaire, nous n'avons pas vivre. Nous-mêmes, nous annonçons un sit-in très prochainement. Et nous allons rentrer en consultation avec plusieurs autres organisations de l'OMU, ORD, LHDH. Nous pouvons faire sit-in exactement devant le ministère de la Justice. Monsieur, il faut un sit-in ça va être différent parce que c'est des droits que nous pouvons réclamer.
c'est mandé pour demander aux autorités de l'État pour faire tout ça qu'on est qui dans le pouvoir pour permettre que la justice a fonctionné. Et actuellement, là, l'État Ariel a érigé un véritable violateur de droit monde parce que pas aucun droit qui garantit actuellement là. Aucun droit à la santé, pas garanti. Droit d'accès à la justice, pas garanti parce que pas de tribunal pour nous faire valoir droit. On monde où on est enfermé, où on est, où on est business, où on va faire valoir devant le tribunal, ou pas capable parce qu'il n'y a pas de tribunal en fonction. Et ça a supposé inquiéter toute population, ça a supposé inquiéter tout pays, parce qu'on a parlé de état de droit. On ne peut imaginer l'existence d'un état de droit sans le fonctionnement à plein régime des tribunaux et des infrastructures judiciaires. Je vais dire encore pour terminer pour mes points. Justice, nous en méritons notre figuier. Et nouvelle élite, ça, faut penser à numériser le système de justice. Si nous pas numériser, nous avons toujours tombé dans le même imbroglio galima chaque tombé là. Nous pas contre qui le timalé pas grand avocat pas parler devant juge. Faut yo moderniser justice haïtienne pour permettre de fonctionner avec plus efficacité. Deuxième point. M'a dénoncé toujours malheureusement c'est ça m'a fait parce que là l'état pas fait rien, l'état pas porté aucune solution. Comprenez bien, il y a un tribunal qui est cassé, un tribunal bandit envahi, qui responsabilité, qui degré de responsabilité qui est en prison, qui ça concerne? On t'y malheureux, t'y malheureux, qui est en prison, il y a cassé tribunal, qui ça? Il a dit dans ça. C'est l'État qui est supposé dégager, mais tout. Procédure en branle pour permettre que le tribunal fonctionne. Nous avons des gens qui ont arrêté depuis 10 juillet, qui n'ont garde à vue, des gens qui font attention. Ils ont dit que même Roger Boutus même qui prête pour mourir. Il y a Maxime Simon Irlangean qui fait attention. Et Victor Julien même moi, il commence à baisser parce qu'il n'y a pas d'espoir. Je dis encore, la population faut lever camper parce qu'il y va de votre avenir, de votre destin. Ou même qui a gardé là. Ou même capitaine de là. Mais ça, ou pas concerné, mais peut-être un petit femme, un petit proche, qui est en prison, ou bien qui est arrêté, qui malheureusement pas en prison, mais qu'on est que toutes conditions ça va tenir. Si vous pas impliqué, si vous pas impliqué, si vous pas levé camper pour mettre pression sur l'État, pour le refaire justice, violation de la monnaie pour nous faire normal. Et comme avocat, nous pas accepter que doit nous violer comme ça. Parce que société, hein, Haïti, tu prends responsabilité, tu prends engagement devant l'international pour dire oui, je respecte le droit de l'homme. Nous ne sommes pas capables d'accord que l'autorité légale a couru pour l'autorité illégale. Nous ne sommes pas capables d'accord que le parquet n'a pas existé. Nous ne sommes pas capables d'accord que le tribunal fermé. Nous avons soif de justice. Nous qui sommes en prison besoin de justice. Nous qui sommes en prison besoin de souffle. Moun ki nan prison yo, moun kap tue tête. Bon, wa imagine on est kap tue tête li nan prison Tigouave parce que li pa jan pa devant juge. Wa imagine ou 9 moun a mouri gangou nan prison au Kay parce que pa gen manger. C'est commissaire gouvernement kap mande secteur privé manger. De qui pays n'a parlé? Ariel Henry, ministre justice nan, pren responsabilité nou. Jan di lan faire en sorte que nous baillons nos justice, tribunal besoin fonctionner. Nous pouvons organiser citine et éviter toute organisation généralement quelconque, que t'es politique, que t'es apolitique, que t'es droit monde, que t'es pas droit monde, vienne faire citine parce que le droit d'accès à la justice, c'est un droit fondamental, c'est pas une faveur, c'est un acquis et l'État supposé prendre toute responsabilité pour le garantir droit ça. Merci beaucoup. Oui, comme nous connaissons généralement, et cadre personnellement, toujours il y a des séries de revendications avec tout ça, mais je veux dire, vous capitalisez sur les vidéos qui ont circulé sur les réseaux. Est-ce que c'est des vidéos qui sont actuelles, des vidéos authentiques? Oui, vidéo que nous avons regardé, c'est dans la pénitentiaire nationale. Ça fait que nous connaissons la pénitentiaire nationale, même son ingénieur civil, bon, élément qui n'est pas attiré à attention personne, même toujours dit.
Le n'a pas ces bonnes prisons, on a fait un mur, un mur qui peut être prêt pour décoller. Il me dit ça, il me fait tweet, il fait intervention. Mais aller sur le plan structurel, il me dit attention, on sait de faire magnitude qu'à la guerre, qu'à faire mieux tomber. Et tout bâtiment fissuré. Tout bâtiment prison fissuré. On sait 5 suffit pour la bombe en prison en tête. Depuis bon prison à la gâte, évasion totale. Décolle permettre moi que c'est en d'habitation nationale. Et regarde nos vidéos, par exemple, nous avons un bloc sale, sale, un bloc la pluie peut-être. C'est ce que nous avons fait. Cap et dit, il y a un cabaret, il y a un cap souffle. Attention, si je prends des cris, conditions de prison, ce n'est pas effet de l'un jour. Je vais perdre moi-même sa valeur là, je contrôler combien de zoos qui n'ont quoi en monde dans la vidéo. Elle dit, c'est des vidéos actuelles, c'est des vidéos de pénitence nationale. Et je dis ça, ça c'est pour être un bug là. Sous entrée en dans pénitencier en dans dispensaire, c'est pas un cabot qui plein. Ok, merci. Merci beaucoup.